All right, are so we ready? We can go ahead, Eftalia, Neil. Yeah, we're good. All right, uh, good morning and welcome to uh, this briefing from the left group in the European Parliament with our co-president, uh, Manon Aubry. Our other co-president, Martin Sherdowan, uh, had another commitment and unfortunately had to cancel his participation here. But if you have any questions for him, I can, of course, uh, link you up uh, with Martin. Euh, mais pour commencer, je vais passer la parole à Manon Aubry qui va nous présenter les priorités de la gauche euh, de cette semaine. Manon. Je devrais être plus souvent toute seule, j'ai droit au français euh, bonjour à, à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, pour euh, cette nouvelle session euh, plénière, il y a évidemment euh, beaucoup de choses à, à vous parler aujourd'hui. Je vais euh, commencer avec euh, le conflit euh, en Ukraine euh, et la terrible fuite en avant dangereuse et inquiétante de Vladimir euh, Poutine, qui, euh, tel un tyran acculé, euh, manifestement euh, persiste euh, et signe avec ses référendums euh, fictifs euh, bidons, avec euh, sa euh, conscription euh, semi-obligatoire qui témoigne d'un nouveau palier passé dans cette guerre totale qu'il veut livrer à l'Ukraine avec aussi l'incident sur Nord Stream qui est en réalité une bombe climatique avec des gaz à effet de serre. Un nouveau paquet de sanctions a été annoncé par la commission européenne que nous accueillons favorablement avec toutefois la nécessité de garder l'objectif qui doit être celui de l'Union européenne, puissance diplomatique aux portes de cette guerre, qui est d'obtenir euh, un cessez le fait le retrait des troupes euh, en euh, allant encore plus loin dans un certain nombre de euh, sanctions, je pense notamment à la saisie euh, des euh, biens des oligarques, avec euh, aussi on aimerait entendre la Commission européenne euh, parler euh, davantage en soutien à la, à la population russe qui se mobilise, contre Vladimir Poutine et qui est un levier. Euh, et enfin, diplomatiquement, recréer euh, les conditions de la désescalade en à la fois assurant euh, les, euh, la sécurité des centrales nucléaires euh, avec euh, l'ONU. Ça fait euh, des mois que nous demandons à ce que euh, des casques bleus soient envoyés pour protéger euh, les. Euh, centrales euh, en Ukraine, les centrales nucléaires en Ukraine. Et enfin, on attend une grande initiative diplomatique encore de la part de la Commission européenne euh, pour euh, euh, lancer une grande conférence euh, sur la paix, parce qu'on le sait, cette guerre ne se terminera pas si l'on ne met pas tout le monde autour de la même table, aussi difficile soit-il. J'en viens à la question énergétique, qui est évidemment liée à la guerre en Ukraine, même si. Euh, et vous vous souvenez peut-être de la réponse cinglante que m'a faite la présidente de la Commission européenne lors de son discours State of the Union quand je lui ai donné à voir les factures des gens en l'occurrence qui m'avaient contacté des factures qui explosent et elle avait eu cette réponse condescendante qui consistait à dire Envoyer ces factures à Vladimir Poutine et à Moscou. Quel mépris elle a fait face, quel mépris pour des centaines de personnes, des millions de personnes qui galèrent en Europe à pouvoir payer leurs factures d'énergie. Alors euh, moi je le dis euh, à Vladimir euh, Poutine euh, oui, euh, bien sûr, euh, vous avez euh, finalement quelque part euh, une présidente de la Commission européenne qui est, prêt, euh, qui est prête à se dédouaner euh, sur vous, mais qui ne prend aucune responsabilité pour venir en aide directement aux citoyens européens qui sont touchés par l'explosion du prix de l'énergie, qui est certes liée à la guerre en Ukraine, mais qui est aussi liée à un marché de l'énergie qui est plus qu'obsolète, ce qui fait le lien avec les propositions sur la question euh, énergétique. D'abord, et une fois ne sera pas coutume, saluons quand même une victoire de notre camp politique, à savoir une taxation sur les superprofits. Alors, certes, elle ne comporte pas ce nom officiel, certes, la présidente de la Commission européenne a ouvert son petit dico des dictionnaires, on comprend pourquoi, pourquoi, pour éviter de passer par l'unanimité des États membres, mais je tiens à le dire la gauche, au Parlement européen, a été si seule pendant ces années à défendre une taxation sur les superprofits. j'ai retrouvé des amendements que nous avons déposés il y a deux ans sur les laboratoires pharmaceutiques qui ont été soutenus uniquement par notre groupe politique. pas plus tard qu'au mois de mars dernier une tax... notre amendement en faveur d'une taxation des superprofits a récolté deux cent soixante seize voix pour et quatre cent sept voix contre. nous voici donc venus au mois d'octobre deux mille vingt deux où enfin enfin la Commission européenne reconnaît donc qu'il y a des entreprises qui font des bénéfices sur cette crise, ou euh, la Commission européenne reconnaît qu'un certain nombre d'entreprises font des super profits, et je crois que c'est une victoire culturelle qu'il faut noter. Maintenant, le diable se cache souvent dans les détails. Si la Commission européenne finit par reconnaître qu'il y a des superprofits, étrangement, elle s'arrête aux seules énergies fossiles, sans voir qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui font des superprofits, pas uniquement dans le secteur énergétique. C'est le cas évidemment d'entreprises dans le secteur du luxe, comme LVMH plus vingt cinq, c'est le cas d'entreprises dans le secteur bancaire comme Crédit Agricole ou le BNP Paribas qui font plus de cinq milliards d'euros de bénéfices. Bref, vous l'avez compris. Cette taxation sur les superprofits ou cette contribution de solidarité, comme la Commission européenne l'a nommée, est largement insuffisante parce qu'elle ne concerne pas l'ensemble des secteurs où des superprofits ont été réalisés et puis parce que la Commission européenne laisse la possibilité aux États membres de choisir l'année deux mille vingt deux et où l'année deux mille vingt trois dit autrement, les superprofits deux mille vingt deux pourraient passer à la trappe et ne pas être taxés c'est pourtant l'année de tous les records pour une entreprise comme Total, qui a déjà fait seize milliards d'euros au premier semestre, seize milliards d'euros de bénéfices. Je passe aussi sur le taux qui est relativement bas, qui fait que seulement vingt trois milliards d'euros seraient collectés à l'échelon européen, bien loin de ce que, par exemple, l'observatoire le, euh, l'EU Tax Observatory mené par Gabriel Zuckman, qui est financé par le Parlement européen, qui a publié un rapport la semaine dernière et qui estime qu'on pourrait récolter au moins quatre-vingts milliards d'euros. Enfin, euh, ce mécanisme proposé n'évitera pas les stratagèmes d'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales puisque c'est basé sur les bénéfices déclarés dans chaque pays et non pas comme on pourrait le souhaiter et comme d'autres États l'ont fait, je pense à l'Italie, euh, comme euh, basé, un mécanisme qui est basé sur les ventes. Je termine sur la question énergétique pour dire que dans le paquet de réformes prévu par la Commission européenne, là aussi, il y a la reconnaissance d'un échec du marché de l'énergie sans pour autant vouloir le réformer en profondeur, euh, avec euh, par exemple ce prix maximum à 180 euros du kWh alors que les prix de production sont de l'ordre de 50 à 80 euros du kWh. Vous m'accorderez que cela laisse une certaine marge pour les entreprises énergétiques. Et puisque vous l'avez compris, nous sommes dans la proposition que nous avons martelée pendant des mois et des mois une taxation sur les superprofits. Nous revenons aujourd'hui avec ce document, qui est le document de la gauche, qui propose un nouveau modèle énergétique au niveau européen, avec dix demandes clés qui seront présentées plus en détail lors d'une conférence de presse demain à laquelle. Je vous renvoie mais qui propose notamment de plafonner les prix de l'énergie, de fixer durablement des prix par les États et la Commission européenne plutôt que laisser le marché faire de permettre la, rep la reprise de contrôle par les États des entreprises énergétiques et d'en faire des entreprises publiques ou encore un grand plan de rénovation des logements puisqu'il s'agit de faire une sobriété énergétique, encore faut-il pouvoir le faire. Voilà ce que je voulais vous dire en deux mots sur la question énergétique. Je pourrais vous parler évidemment de la question de l'Iran, de la nécessité pour l'Union européenne de prendre là aussi des initiatives diplomatiques pour soutenir les femmes qui, avec force, avec vigueur, avec volonté, défendent leur droit simple d'exister, d'aller dans la rue, de montrer ses cheveux et d'être simplement des femmes et j'aurai l'occasion de m'exprimer dans le débat sur l'Iran dans le courant de l'après-midi. Et je voulais aussi vous alerter sur la relance des négociations de l'accord sur le Mercosur, lequel accord avait été mis au frigo, sorti du frigo post covid, fini toutes les promesses qui ont été faites pendant le covid, lequel accord de libre-échange on l'a appris grâce aux confrères de politico merci à eux du déni démocratique qui s'apprête à être joué puisque cet accord de libre-échange ne sera pas examiné par l'ensemble des parlements nationaux comme c'est en général le cas qui sera saucissonné en deux de telle manière à éviter et à contourner une un éventuel blocage d'un parlement national. Au-delà de l'impact écologique évident, notamment sur la déforestation euh, de l'Amazonie, c'est un euh, problème démocratique majeur que l'ensemble des parlements nationaux européens ne puissent pas s'exprimer là-dessus. Et enfin, pour rebondir, puisque je passe après euh, Manfred Weber, comment ne pas dire un mot sur les élections en Italie qui voient arriver au pouvoir dans un des pays fondateurs de l'Union européenne, le néofascisme, et j'ose le dire ici, le néofascisme. Et je suis surprise des digues qui sont en train de s'effondrait puisque euh, le groupe du PPE, le groupe de la droite ici au Parlement européen, a félicité dès demain le résultat de Berlusconi et derrière la victoire de Meloni qui euh, prend euh, euh, exemple euh, sur les pires, euh, qui fait appel aux pires exemples de l'histoire de l'Italie et qui fait peser des doutes fondamentaux à la fois sur la défense de nos libertés et de nos droits fondamentaux en Italie mais aussi une forme de continuité libérale. Alors, puisqu'on est dans un exercice d'autocritique, je pense que la gauche faudra aussi qu'elle se questionne sur le rôle et la responsabilité qu'elle a joué dans une forme de trahison avec des politiques libérales menées notamment par le Parti démocrate ces dernières années qui ont conduit à une colère en Italie qui s'est manifestée Manifesté par ce vote euh, de euh, l'extrême droite et euh, le retour euh, du néofascisme en Italie dans un contexte où l'extrême droite ne cesse de progresser sur notre continent et je crois doit mener, euh, lancer l'alarme puisqu'il s'agissait, s'agissant euh, en parlant de, de, de l'Iran, du droit des femmes. Je crois que le droit des femmes est aussi menacé sur le sol européen quand on voit ce qui est fait du droit à l'avortement dans un certain nombre d'États membres et ce qui pourrait être fait notamment aussi en Italie. Et donc, je lance ici l'alarme. Je pense que ces barrières vis-à-vis euh, -vis de l'extrême droite doivent être très clairement rétablies. Je regrette que le PPE n'ait pas fait ce choix-là. Et je m'arrête. <coughs> Thanks, Manon. Uh, just a few little follow-ups on some of the plenary items there. The debate and vote uh, on Ukraine is tomorrow, as Manon mentioned. On energy, the vote is tomorrow, and we'll have a press conference, uh, just to reiterate what Manon said, tomorrow, 10.30, in this room, with uh, our three MEPs, Sierra Rego, Marisa Matias, and Cornelia Ernst, about that, uh, those proposals for a new energy uh, model. And we've copies of the policy documents that Manon mentioned, the 10 points document here in the room. I've finished with my uh, colleagues. Um then let's go to the questions first in the room and then we'll see if there's any online. Any questions in the room? Yes, please, go ahead. Anna Bandensky from uh the Europe diplomatic. J'ai la question uh, concernant la position des président Zelensky qui a dit qu'il refuse uh, carrément uh, de parler avec le uh, président russe Poutine. Donc uh, il est très déterminé à continuer euh, sa bataille pour restituer l'intégrité des territoires ukrainiens. Et moi, je pose la question, est-ce que vous êtes d'accord, soit quand même, euh, lorsque l'Union européenne a gagné le prix Nobel des paix, euh, vous préférez euh, le, la voie diplomatique D'abord, je, je voudrais dire que, évidemment, euh, le président Zelensky est le président d'un pays qui est envahi aujourd'hui par une puissance étrangère. Donc on peut comprendre sa colère et on la partage à l'égard de Vladimir Poutine. Maintenant, dans l'histoire, on n'a jamais trouvé d'issue à une guerre autre que par la voie diplomatique. C'est ça ou le chaos, c'est ça ou la destruction entière de l'Ukraine, c'est ça où le pays, dans son intégralité, est envahi et repris par la Russie. Et donc il faut trouver une issue diplomatique. Mais il ne s'agit pas ici de dire à, au président Zelensky allez y euh, parlez euh, à Vladimir Poutine. Il s'agit, pour l'Union européenne, de prendre une initiative diplomatique, d'assurer la neutralité des discussions et de renouer des contacts diplomatiques, ce qui, je sais, est compliqué, plus facile à dire qu'à faire, et en même temps, à ce stade, il n'y a pas d'autre issue, je crois, à ce conflit. Okay. Uh, question over here. I got facts. Thank you very much, David. Uh, Rose Donovan, AgriFax. Manon, just to pick up on two points that you made um, during your introduction there. A number of countries, such as France, Germany, Spain, Italy, Denmark and the Czech Republic, are calling the EU to impose sanctions against Iran on those points that you raised. Is that something that your political group can also support? You mentioned the EU Mercosur trade deal, which is potentially back on the table, as you say, if uh, Lula da Silva gets elected on October 30th. Do you think there's any scope in there to improve the current text related to provisions on environmental protection, climate change, human rights, etc.? If not, how is your group going to mobilize, uh, including with other like-minded political groups, potentially against this trade deal? Thank you. French? It's fine. Sur les sanctions, euh, oui nous sommes favorables à des sanctions à, à l'égard euh, de l'Iran avec toujours la même préoccupation que ces sanctions à la fin euh, n'aient pas euh, de répercussions et d'impact négatif à l'égard de la population iranienne. Que là il s'agit de toucher un régime dictatorial, euh, le régime des Mollahs et c'est eux qui doivent être euh, ciblés. D'ailleurs, de ce point de vue là, je veux noter une certaine hypocrisie de la part du gouvernement français d'Emmanuel Macron qui réclame des sanctions et qui, quelques jours avant, a serré la main du président euh, euh, iranien en marge des Nations unies et donc euh, qui, manifestement, à ce moment là, le, alors que la mobilisation avait commencé, la question des droits de l'homme n'était pas si importante. Sur la question euh, du Mercosur, j'ai des doutes sur la capacité à, à, à améliorer euh, euh, le, euh, le texte et l'accord. D'abord, parce que le dernier exemple en dette, c'est l'accord euh, de libre échange avec la Nouvelle Zélande. On nous avait promis que ce serait un accord nouvelle génération avec des clauses miroirs, on n'en a pas vu la couleur, ce qui veut dire que des pesticides qui sont interdits sur le sol européen et qui sont autorisés en Nouvelle Zélande, des produits, des marchandises, vont être acheminés, vendus sur le sol européen, produits avec ces pesticides, alors qu'ils sont interdits sur le sol européen. Donc permettez moi de douter. Et puis, s'agissant du Mercosur, l'impact environnemental est bien plus massif, notamment sur la déforestation en Amazonie, qui est le poumon mondial et international. Alors oui, on va se mobiliser. Le groupe des Verts est aussi mobilisé sur la question, donc nous allons nous mobiliser en commun. J'ai cru comprendre que le sujet était toujours problématique et faisait débat du côté des socialistes en fonction de la nationalité. Mes collègues socialistes français, par exemple, y sont opposés, mais je crois que ce n'est pas le cas de tous les collègues. Ce serait intéressant de voir aussi l'attitude de l'Allemagne dans le cadre de leur nouvelle coalition, sachant qu'on a toujours présenté ce, cet accord un peu voiture contre bœuf pour le caricaturer un peu. Et puis, moi, ce que je crois avant tout, c'est aussi la mobilisation des citoyens. Je dis souvent qu'ici, au Parlement européen, on vit dans un monde aseptique. Comme si on était bloqué de la réalité. Donc, j'invite les citoyens à se saisir de ce sujet, à comprendre l'impact social et écologique dramatique de cet accord de libre-échange et à faire venir entrer cette réalité ici au Parlement européen, faire entrer cette mobilisation pour avoir un contrepoint citoyen. On se souvient au moment du TAFTA, du CETA, il y a eu des mobilisations à travers toute l'Europe. Eh bien, je souhaite la même chose sur cet accord de libre-échange avec le Mercosur, ce d'autant plus qu'il est. Euh, euh, le premier ou un des premiers d'une longue liste d'accords de libre échange en cours de négociation, puisqu'il y en a vingt quatre et je le dis cette folie libre échangiste doit s'arrêter en deux mille vingt deux, à l'heure de l'urgence climatique, à l'heure du dumping social, on ne peut plus tolérer qu'on fasse Faire à des marchandises trois fois le tour du monde, produites dans des conditions environnementales et sociales très éloignées de nos standards européens. Donc, on mettra toute notre énergie dans la bataille, à commencer par un débat que nous demandons à la session plénière prochaine, et donc qui va mettre les autres groupes au pied du mur. Êtes-vous prêt à discuter de, de, notamment, ce passage en force sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur, à suivre donc si nous obtenons l'accord des autres groupes politiques. okay, uh, just follow up on those. i uh, forgot to say the debate on iran is later today from 4, and it's manon speaking on behalf of our group with uh, cornelia ernst, who's the chair of the parliament's iran delegation. Uh, and the vote on that resolution is thursday from 12 noon. Uh, we'll keep you posted on that last point on uh, mercosur and the ftas that manon mentions. any further questions in the room? nope. i don't see anyone with their hand up online. last chance. If not, thanks as always to the interpreters, the cleaners, and the technicians. Thanks, Manon.